Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis d'abord très heureux que nous soyons si nombreux ce matin pour cette manifestation. Alors, je vais vous donner quelques mots sur le déroulement de la manifestation. Ici, donc à la Maison Bachelier, on va découvrir une plaque où assiégé le général Chanzy. Après, nous irons au Monument aux Morts et des dépôts de gerbes. Et après, nous monterons au château qui a été le siège, qui était la mairie de l'époque et le siège du département et de la préfecture de la Sarthe pendant quelques jours. Alors, pour vous raconter les faits marquants qui se sont déroulés dans notre ville, j'ai repris des notes de M. Mercier, directeur de l'école publique, présent lors des événements. 1870, l'année terrible, a dit Victor Hugo, l'année de la misère pour les habitants de nos campagnes. Le 1er septembre, Napoléon III rendit son épée au roi de Prusse à Sedan, préférant la honte à une mort glorieuse. Le 4 septembre, l'Empire s'écroulait et la République était autoproclamée à Paris. Cette nouvelle fut connue le dimanche soir à Saint-Guillaume et accueillie avec enthousiasme, comme par enchantement, il n'y avait plus aucun bonapartiste ni aucun partisan de la guerre. Le 6 septembre, M. Georges Le Chevalier arrivait de Paris pour prendre ses fonctions de préfet de la Sarthe. Le 7 septembre, sur proposition du docteur Touchard, dont nous avons remonté la rue de portant son nom, le conseil municipal vote à l'unanimité une adresse de sympathie profonde aux hommes courageux de la révolution du 4 septembre. Il se rallie sans réserve et de tout cœur au gouvernement qui a pris le seul titre et qui convient en ce moment suprême où se trouve la patrie, le gouvernement de la défense nationale. La garde nationale fut alors organisée. Le bataillon du cantonal de Saint-Guillaume s'est levé à 2933 hommes, dont la mission était de servir et assurer l'ordre et la tranquillité de la contrée. Les familles, pendant cette période, beaucoup de familles ouvrières sur Saint-Guillaume n'eurent pas trop à souffrir de ces rigueurs de l'hiver 1870. La création du camp de Conly donna de la besogne aux ouvriers sans travail. Le 19 décembre, le général Chanzy arrive au Mans pour établir son quartier général et réorganiser la 2e armée de la Loire, forte de 130 000 hommes et de 350 canons. Son but était de se diriger le 8 janvier sur Paris, par Versailles, par Chartres et Versailles, et de contribuer à la levée du siège de la capitale aux Allemands. Gambetta, ministre de la Guerre, l'invite à reporter son projet le 13 et le 14 janvier. Mais le 10 et 11 janvier, une attaque violente avec 90 000 hommes s'étendait autour du Mans, de Champagné à la Tuilerie. Donc on a les manifestations ont eu lieu avec Francis il y a quelques semaines. Chanzy voulait toujours se diriger sur Paris, mais Gambetta, le craignant de trop découvrir l'Ouest, l'en avait détourné. En conséquence, Chanzy établit son quartier général à Domfront, le 12 au soir, et ordonna la retraite sur Laval. Le 21e corps, commandé par Jaurès, va s'établir à Saint-Guillaume le 12 au soir aussi. Cette retraite, que le général disait s'effectuer en bon ordre, ressemblait plutôt à une déroute. Des troupes de toutes armes traversèrent notre ville dans la journée du 12. Il était difficile de se faire une idée de l'encombrement des rues pendant cette malheureuse journée. C'était des allées et venues en tous sens, de militaires, de convois, ne sachant où prendre leur route, cavalerie, infanterie, artillerie, tout était pêle-mêle. Le général Chanzy vient s'installer à Saint-Guillaume chez M. Bachelier avec son état-major le vendredi 13 janvier.
Donc c'est dans cette maison qu'il s'installa le 13 janvier, alors propriété privée de M. Bachelier. Le général Jaurès, pardon, lui venant de Conly, ce même 13 janvier, s'installa à son quartier général chez M. le maire, M. Marais. Le 14 au soir, il ne restait plus de soldats en ville. On pouvait voir des feux de bivouac sur les routes de Sillé à Beaumont, Crissé, Pesé, de Sillé à Conly. Le 15 janvier, on entendit le bruit des canons et fusillades dans les directions de Saint-Rémy-Crissé. Les combats étaient rudes, notamment à la maisonnette du chemin de fer au passage à niveau 127, situé en face du bourg de Crissé. Les combats ont duré des heures et ce fut un véritable carnage humain. Pendant ce temps, Chanzy surveillait les combats, soit du grenier de cette maison, mais aussi de la tour du château et des dortoirs. L'ennemi gagnait du terrain sur Sillé-Guillaume. On l'informa de la prise par les Prussiens de Neuvillette et de Sainte-Suzanne. Vers 15h, afin d'éviter d'être pris dans une souricière, il se rendit ici, dans le parc Bachelier. Des chevaux étaient scellés depuis le matin. Il se hâte à prendre la direction d'Evron avec tout son état-major. Les Prussiens occupèrent Sillé-Guillaume le 13 janvier. Vers 11h, une colonne de 3 à 4 000 hommes, infanterie, cavalerie, artillerie, fit son entrée dans Sillé, musique en tête et en chantant. Le 28 janvier, l'armistice est signé. Pendant la période du 16 janvier au 28 janvier, Sillé n'a pas trop souffert. Une grande discipline dans l'armée prussienne. En revanche, réquisition de la nourriture pour les hommes, pour les soldats, ainsi que pour les chevaux. Les Prussiens quittent, l'armistice est signé le 28 janvier, les Prussiens quittent notre ville le 1er février. Pendant ce temps, le deuxième événement marquant, ça a été la création de la carte postale. Alors cette histoire, alors que l'hiver était très rude, les soldats bretons du camp de Conly étaient installés dans des conditions tout à fait déplorables. Beaucoup de décès, beaucoup de morts pendant ce camp. Et puis des bretons qu'on avait mis à Conly, qui étaient partis depuis plusieurs mois de chez eux. Et le général Kenacry, le moral n'était pas bon, hein. Le général Kenacry vient voir Léon Bénardot, imprimeur, libraire, afin de trouver une solution pour donner des nouvelles aux familles, sachant que la majorité des soldats ne savaient ni lire ni écrire. Alors Bénardot imprima un dessin sur des pages de cahier, parce qu'avant il était instituteur, qu'il avait récupéré, et ainsi est née la première carte postale illustrée. Il a été nommé naturellement président d'honneur des cartophiles de Club de France. Voilà, c'était l'histoire de Bénardot, cette histoire de la carte postale qui est liée au camp de Conly et à cette guerre de 1870. Voilà pour ce qui s'est passé, la première partie, ici, à Sillé-Guillaume. Donc j'ai demandé à M. le Préfet et à M. le Président de dévoiler la première plaque qui a été mise sur la maison Bachelier, qui est aujourd'hui la mairie, naturellement. Garde à vous! Aux couleurs! Envoyez! Nous allons procéder au dépôt de gerbes.
Une minute de silence. La Marseillaise. Thank you.
après la déroute de notre armée autour du Mans, le préfet Le Chevalier s'installe avec ses services à la mairie de Sillé afin de seconder les généraux Chanzy, Jaurès et organiser la résistance dans la partie non envahie de la Sarthe. Il va payer largement deux Silléens pour faire la navette entre Beaumont, Sillé et Sillé-Laval pour informer naturellement Chanzy et Jaurès de l'état de l'évolution des troupes, des déplacements ainsi que les mouvements des troupes. Alors c'est un peu le roman d'espionnage. Ils cousaient dans les doublures de leurs vestes les messages à emporter. Voyant que Sillé n'était pas si maltraité, le préfet quitta notre ville le 22 janvier. Il partit à pied, direction Beaumont, se rendit à Mamers. De là, il gagna Argentan, puis Laval, revint à Beaumont le 4 février, pour faire exécuter les décrets du gouvernement et préparer les élections dans les cantons de Sillé, Sablé, Brulon, Le Lude et La Flèche, qui étaient situés en zone neutre délimitée par l'armistice du 28 janvier. On lui ordonna de quitter Le Mans pour La Flèche, et là, il se fait expulser à nouveau par les Allemands. Donc, un peu découragé, il regagne Paris, démissionne de son poste préfectoral, reprend sa carrière d'avocat et plaide dans de nombreuses affaires retentissantes, souvent à caractère politique. Il est élu conseiller général de la Sarthe en 1895, puis président du conseil général en 1903, et la même année, il est élu sénateur, et je crois qu'il décède en 1909, ou 8 ans, quelque chose comme ça, en exercice. Donc voilà l'histoire de ce préfet un peu atypique, hein, faut le reconnaître. Hein. Il était préfet 6 mois, il démissionne avant de revenir, j'allais dire, en politique. Voilà, conseiller général, puis président des départements. Nous allons donc inaugurer... Alors, avant d'inaugurer la plaque, je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à cette organisation. On va vous remettre à la fin des petits livrets qui ont été confectionnés par Charlotte, qui est ici présente, qui est chargée de la communication et du patrimoine de la ville de Saint-Guillaume. Donc chacun... 1, 2, 3. Voilà. Bravo. Les Bercons, on est d'abord une troupe de bénévoles. On est assez nombreux. Donc ça fait 5 fois qu'on se déplace. On a été une fois au Mans, une fois à Ségris, quand même chez nous, une fois à Souris-le-Ganelon, une fois à Conly, et on a été à Châteaudun aussi. Voilà. Donc c'est la 6e fois qu'on se déplace avec notre ambulance. Vous avez remarqué qu'elle est à cheval. Monsieur le préfet, vous inquiétez pas, il y avait des chevaux à l'époque. Le préfet n'allait pas à pied. Non, non. Donc moi, j'ai un tout petit peu d'histoire, parce que mais sans saouler le monde, mais l'histoire pour qu'elle ait une consonance aujourd'hui. L'histoire, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est ce qui s'est passé avant nous. Donc, pour poursuivre ce qu'a dit Gérard, l'armistice le 28, c'est pas tout à fait un armistice, c'est seulement sur le... Il n'y a pas de front à l'époque. Nous, on a dans la tête tous la guerre de 14, mais non, c'est pas ça. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de front, on se bat un petit peu, pas longtemps, à Crissé, à Saint-Rémy, à Saint-Jean-sur-Erbe, voilà, on se bat, mais c'est jamais très 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 longtemps. La plus grosse bataille, c'est Le Mans. Et à la fin de la bataille, on enterre les morts. Parfois, on les enterre ensemble. Donc à la fin, ils sont frères d'armes. Hein. Ils sont frères d'armes. Il n'y a pas encore non plus, ça n'existe pas encore, mort pour la France. Ça sera seulement en septembre 1915, donc ça n'existe pas. C'est pour ça que vous n'avez pas, pour l'heure, aucun... Vous avez des monuments, quelques-uns, mais pas de monuments systématiques sur cette guerre. Donc qu'est-ce que sont devenus les hommes après ce 28? Eh bien, ceux qui étaient là, ils sont devenus, bon, Gérard l'a dit, le préfet... qui était un ami personnel de Gambetta, un républicain convaincu. Il a défendu les communards et après il est devenu homme politique. Il est devenu notre président du conseil général, ça s'appelait comme ça à l'époque. Donc déjà un qui a pas mal tourné. Un autre qui a bien tourné quand même, c'est aussi les généraux qui étaient là, Chanzy. Il a fait aussi de la politique, après il a démissionné, il n'a pas voulu, quand la guerre s'est arrêtée un peu plus tard, au traité de Francfort, il a démissionné. Il avait été élu député des Ardennes. Et lui aussi, parce qu'à l'époque on peut se présenter, c'est pas comme aujourd'hui, hein. Député c'est dans toute la France. Donc il avait été élu dans 4 départements, Chanzy. Il a choisi les Ardennes et il est devenu aussi, Chanzy, président du conseil général de l'époque des Ardennes. Un autre qui a pas mal réussi, Jaurès. Pas Jaurès, le tribun que vous connaissez, mais quelqu'un de sa famille. C'est quelqu'un de sa famille qui était amiral, qui est venu ici. Et lui aussi, il a fini ministre de la Marine quand même. C'est pas mal. Et aussi d'autres. Donc c'est quand même des hommes qui ont marqué avec la guerre. C'était quelque chose d'important. Donc qu'est-ce que c'est que des soldats de l'époque? Je finirai là-dessus. Les soldats de l'époque... C'est d'abord une armée de métier, mais qui avait été vaincue, Gérard l'a dit, à 80% c'était fini. Toute l'armée française avait été prisonnière à Sedan, ou avait capitulé avec Bazaine, à Metz.
ça faisait 500 000 prisonniers. On parle tous des prisonniers de la guerre de 40. Oui, 1,2 million. Mais là, c'est 500 000 personnes qui sont allées en Allemagne. Pas volontairement. Hein. Voilà. Donc, déjà 500 000 prisonniers. Qu'est-ce qui reste pour combattre? Normalement, une guerre est finie. Hein. Quand on a pris le chef d'État, c'est fini. La guerre classique de Napoléon, allez, on arrête tout. Sauf que là, on a eu un brin d'honneur. Et on a eu la chance, l'immense chance, que les Français, ils ne se rappellent pas tous. Et c'est une honte qu'ils ne se rappellent pas de ça. On a eu la République qui est revenue. La République, c'est le plus beau des régimes. C'est compliqué, de République. On donne tous son avis, mais on écoute bien les autres. On ne dit pas qu'on est en dictature, comme des minables d'aujourd'hui. La dictature, c'est réservé en ce moment. C'est réservé en Afghanistan, où les femmes sont voilées, où les petites filles ne peuvent pas sortir. C'est réservé en Chine. C'est réservé en Russie. C'est réservé en Corée. Voilà des régimes dictatoriaux. Ici, en France, on est en démocratie. Certains en profitent, malheureusement. On a des têtes de nœuds qui se représentent aux élections qui sont bonnes à rien, mais c'est comme ça. Il faut supporter ça. Et surtout, il faut continuer à aller voter. Donc, les hommes politiques, ils ont leur raison d'être. Et les petits soldats, puisqu'il n'y avait plus de soldats, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est des gens comme moi, parce que je m'identifie à eux. La garde nationale, c'était une garde de la Digérard. Tous les hommes de France étaient dans la garde nationale. Tous. De 21 ans à 60 ans, ils étaient tous gardes nationaux. Mais ils étaient sédentaires. Ils restaient ici. Ceux de Ségris restaient à Ségris. Ceux de Dumont restaient au Mans. Ceux de Paris restaient à Paris. Et ceux de Sillé restaient à Sillé. Et il y avait eu une nouvelle loi qui disait qu'en cas de guerre, on pouvait la mobiliser, la garde nationale. Ces gardes nationaux, c'est des gens qui n'avaient pas fait de service militaire. Ça n'existait pas, le service militaire. À l'époque, il y a à peu près 800 000 jeunes par an, une classe d'âge, une classe de 800 000 jeunes, et il en part à peine 200 000 à l'armée. On tire un numéro, si on a la chance, on est exempté, on ne va pas à l'armée. Si on n'a pas de chance, on fait 5 ans d'armée. On peut se faire remplacer, si on a de l'argent, si on est riche, on choisit un remplaçant, on ne va pas à l'armée. Et tous ceux qui vont partir, les gardes nationaux comme moi, c'est des gens qui n'ont pas fait l'armée, donc ils vont être confrontés à aller faire la guerre sans savoir manier un fusil. Oui, tout à l'heure, on ne sait rien faire. On nous a appris au dernier moment à porter des armes. Il faut comprendre que ces gens-là sont partis de Sillé en octobre et ils ont été au combat en novembre. Ils n'ont pas eu d'instruction. Leur cadre militaire, bien qu'il soit très bon, ils n'y peuvent rien, mais la plupart étaient prisonniers. Le 33e mobile, leur chef, le colonel de Latoile, avait 35 ans. Ils étaient pleins d'espoir, ils voulaient sauver leur pays. Quand on vient dans votre pays tout massacré, évidemment, vous défendez votre pays. Heureusement. Donc ces gens-là, qui étaient habillés par le conseil départemental, par les communes, ils sont partis en plein hiver, il faisait très très froid, hein, avec des fusils, parfois des bons fusils, mais souvent des mauvais fusils. Moi j'ai amené les miens, Gérard a dit que Charlotte a fait l'expo, c'est vrai, mais j'ai prêté aussi beaucoup de choses. Il y a deux fusils dans une vitrine, la plupart des fusils des gardes nationaux se chargent par la gueule. C'est des vieux fusils de la guerre de Napoléon Ier, qu'on a transformés. C'est pas pour ça qu'ils sont mauvais, ils sont transformés. Donc, moi, je pense, je suis sûr qu'il faut honorer ces gens-là. On l'a refait avec l'association des maires et avec un étudiant et avec Nathalie. On a fait le recensement de toutes les communes de la Sarthe pour savoir qui est-ce qui est mort à cette guerre. On sait aujourd'hui combien il y a de morts. Je ne l'ai plus par cœur. Je pense que c'est 4660. 4281. Voilà, 4281. Sur la première fois que le chemin de fer a une importance extrêmement, extrêmement, statistiquement, et c'est des vraies photos de soldats.